Le club de Richard Findikian. Caviar Petroussian, partenaire du club Ararat TV. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez les saveurs grecques du restaurant Mavromatis du centre Prado à Marseille avec le club Ararat TV. Le club Ararat TV de Richard Findikian. Spécial Foire Internationale de Marseille. Voilà, eh bien, au pavillon Arménie de la Foire Internationale de Marseille, nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, d'accueillir Monsieur Mathieu Madénian. Bonjour. Alors Mathieu Madénian, tout le monde le connaît. Tout le monde? Oui, non, bah, le monde entier, mon oui, cher Mathieu. Tu parles. Grand humoriste devant l'éternel. Alors déjà, une première question, Mathieu. Pourquoi es-tu devenu humoriste? C'est venu comment? Parce que, en fait, au départ, tu as eu une formation d'avocat. Est-ce que tu pourrais aussi redevenir avocat un jour? Alors, avocat, je pense pas que des gens me fassent confiance vu ce que j'ai fait à la télé ou à la radio. Donc là, c'est un peu grillé. Et pourquoi j'ai voulu être humoriste? Bah, je pense qu'on aime tous faire marrer des gens en famille. Et puis moi, j'ai eu la chance de faire rire un public beaucoup plus large que ma famille, donc j'en ai profité et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, tout simplement. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, en fait. Alors, Mathieu, tu as déclaré, quand une personne équilibrée est bien dans sa peau, tu ne montes pas sur scène pour te mettre en danger. Alors, est-ce que tu es quelqu'un d'équilibré? Alors, en danger, c'est exagéré, parce qu'on n'est pas en danger quand on monte sur scène, il ne faut pas exagérer. Mais quelqu'un de normalement, si tu n'as pas des problèmes psychologiques, tu ne montes pas sur scène pour raconter ta vie. Donc, le jour où, si je vais voir un psy, j'arrête ma carrière, parce qu'il aura trouvé les trucs, c'est bon, je suis heureux maintenant. Mais je pense que ce n'est pas très normal de monter sur scène et d'essayer de se dire, regardez-moi, il doit y avoir une faille là-dedans, il faut que j'en parle à mes parents, en fait. Alors tu dis aussi, certains font de la scène pour ensuite accéder au cinéma. Moi ça ne m'intéresse pas, je fais de la scène pour rester sur scène. Ouais, c'est mon vrai métier en fait. Moi j'ai fait ça pour monter sur scène, donc mon vrai métier à moi c'est d'être sur scène. Là je finis la tournée de mon deuxième spectacle, j'attaque le troisième en écriture. Je fais pas ça pour être comédien ou faire du cinéma, je fais ça pour continuer à écrire des blagues et à divertir les gens qui viennent me voir. Alors, tu continues toujours à rédiger ta carte postale dans Charlie Hebdo. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte sur un plan personnel? Ça te permet de te défouler un peu à travers l'écriture ça, ou... Alors, c'est un exercice. Alors, sur le plan artistique. Artistique. C'est l'écriture. C'est pas du vocal, donc c'est de l'écriture. Donc ça, j'adore écrire. C'est un média différent et puis c'est Charlie Hebdo. Moi j'ai des copains, bon, on connaît tous l'histoire de Charlie Hebdo, donc pour moi c'est un moyen de maintenir la flamme quoi, de ce journal et de cet esprit Charlie qui doit être dans nos têtes à tous, c'est-à-dire avoir cet esprit de révolte permanent, de pas accepter des injustices quelles qu'elles soient, quoi, voilà. Donc moi j'ai des copains qui sont partis pour défendre ces valeurs-là et j'essaye à mon niveau de continuer à le travail, quoi. Tu as toujours en tête les événements qui ont marqué l'histoire de Charlie Hebdo. Donc quand tu rentres, tu vas toujours dans les locaux là-bas pour. Ouais, j'y vais moins parce que moi le concept c'est la carte postale, donc vraiment c'est envoyer mon texte, mais j'y vais une fois par mois pour voir les copains. Mais c'est vrai que oui, j'y pense. Dès que j'écris pour Charlie Hebdo, je pense à Charlie Hebdo. C'est dans ma tête, quoi. C'est un truc. On a tous vécu des événements plus ou moins dramatiques dans sa vie. C'est ce qui nous construit. Et moi, ces événements m'ont considérablement marqué, en bien et en mal. J'essaie de tirer le bien de là-dedans, à me dire que tout peut s'arrêter très vite et profitons. J'ai eu beaucoup de chance. Tu as eu beaucoup de chance parce que je crois qu'au départ, en fait, tu devais, malheureusement à l'époque où ça s'est passé, tu avais presque, je crois, rendez-vous au même moment. Oui, hein. C'était la première conférence. Tu as échappé belle. Ouais, c'est la première conférence de rédaction de l'année et je devais amener les gâteaux des rois ce jour-là, c'était début janvier. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu du retard et voilà. Et si j'ai bonne mémoire, c'est toi aussi qui avais eu la douleur de présenter la cérémonie funéraire De Charbot, hein. Ouais. Il m'avait demandé de présenter, donc je l'ai fait avec, pas avec plaisir malheureusement, mais voilà. Bien, bon, on va passer à des choses un peu plus gaies. Alors, penses-tu qu'il y ait des sujets, pour parler de l'humour, des sujets que l'on ne peut pas aborder par l'humour? Ah non, bah non, là on vient de parler de Charlie Hebdo, s'il y a bien... Non, on peut tout aborder tant que ça reste marrant et que c'est assumé. Et puis de toute façon, c'est la question, quelles sont les limites à l'humour et tout. Déjà, si on se pose les questions, ces questions-là, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui nous permet de nous les poser.
tu vois, il y a plein de pays dans le monde où cette question ne se pose même pas parce qu'ils ne peuvent pas se marrer. Nous, on a de la chance parce qu'on peut rire de tout. Enfin, moi, je ris de tout ce qui me donne envie de rire. Tant que c'est assumé et marrant, et pas gratuit, en fait. C'est ça, c'est la gratuité qui fait que ça déborde. Mais si c'est pas gratuit et que c'est porté et on est encadré par des lois qui sont assez larges, et au pire, on prend un procès. Et c'est pas grave, c'est les risques du métier. Michel Drucker t'aura beaucoup aidé, hein, mais la page est définitivement tournée avec Drucker. Pour les chroniques hebdomadaires, oui, parce que je suis passé à autre chose. Ça a été un beau tremplin, Drucker. Ah bah, ça a été, s'il n'y a pas eu Drucker dans ma vie, je serais pas là au micro en train de parler actuellement devant des gens. Ça a changé ma vie et j'ai eu la chance d'être paradoxalement extrêmement libre chez Michel Drucker, c'est-à-dire que je racontais ce que je voulais. Ça me manque ce truc-là, hein, vraiment, parce que c'était tellement excitant de s'asseoir sur ce canapé et de raconter ce qu'on veut. Mais ouais, j'y vais quelques fois pour la promo, mais je suis passé à autre chose, c'est-à-dire que c'est un métier, on peut faire plein de choses dans ce métier-là et j'ai pas envie de m'endormir et de juste me dire, allez vas-y, je suis à la retraite, je vais toutes les semaines chez Drucker, ma vie est assurée. Non, l'intérêt c'est de se mettre un peu en danger, un peu en danger. En cause, ouais. Qu'est-ce que la célébrité aura changé dans ta vie? Oh putain, rien du tout pour moi en tout cas, je suis resté le même mec d'après moi. Maintenant, il faut demander à mes proches, mais je suis resté pareil. Est-ce que ça a changé? C'est qu'on m'écoute parler, en fait, tout simplement. Avant, je jouais devant 10 personnes, maintenant, je joue devant 500. Voilà, et puis, on paye pour ça, en plus. Hein, en plus, on paye, et je rembourse mon emprunt. Merci beaucoup. Allez, une dernière question, cher Mathieu. Quelle importance tes origines arméniennes ont-elles dans ta vie quotidienne? Et est-ce que tu pourrais un jour venir à Marseille pour te joindre à nous au défilé du 24 avril sur le Prado? Ben oui, parce que... Tu sais, on avait tout à l'heure ici la jeune Aurore Brunin, qui est la présidente du CCAF, que tu connais bien. Et on fait, nous, le 24 avril à Marseille, régulièrement, le défilé jusqu'au consulat turc. Est-ce que alors qu'est-ce que ça change tout ça au niveau de tes origines arméniennes dans ta vie au quotidien? Ben, c'est vrai que le fait d'être un peu médiatisé, être un peu armé et d'être arménien a fait que par effet de boomerang, je me suis retrouvé dans mon arménité. J'ai pas été élevé dans l'arménité, on va dire permanente, mais le fait de devenir un petit peu connu, de continuer à m'appeler Madénian, de pas enlever le Yan, de pas avoir un pseudo et de dire que j'étais arménien de manière totalement désintéressée, c'était pas calculé de dire ah je suis arménien, ça fait partie de moi, et ben a fait que ben je me suis retrouvé incorporé de plus en plus dans la communauté, faire pas mal d'actions, être invité à plein de choses, et donc voilà, il y a eu un effet de boomerang où maintenant je me retrouve vachement plus concerné par l'Arménie en général. Et quant à venir ici avec plaisir, puisque de toute façon tous les ans je suis à Paris, je le fais à Paris en général, et on va à la statue Comitas et voilà, et puis dans l'année j'ai pas mal de on a eu le gala du CSAF avec le président Macron. Justement, oui. J'ai été également là-bas, mais j'accepte l'invitation avec plaisir en tout cas. Bon, bah écoute, notez, alors on note, hein, vous notez. Notez. Hein, j'en parlerai à la présidente. Il faudra que les forêts fassent pas grève. Non, mais c'est vrai, j'ai toujours rêvé, moi. Oui, on espère que les forums, ils le feront pas. Ils aiment bien les Arméniens, les forums, je pense. Un prochain 24 avril, on espère t'avoir avec nous. Tu sais qu'on est actuellement, tu passes sur la radio chrétienne, hein, c'est un grand réseau de radio à travers toute la France et la Belgique. Je voulais savoir ce que tu pensais du Christ. Enfin, de Charles Aznavour. Ah, parce que tu dis toujours que Charles est le Christ. Alors... C'est Jésus-Christ en plus petit. C'est Jésus-Christ. Pourquoi tu dis qu'il est le Christ? Ben, parce que c'est Charles Aznavour. Alors, qu'est-ce que je pense de Charles Aznavour? Alors, bon, j'étais bercé par Charles Aznavour. Tu sais que là, il arrive, normalement, je l'ai eu au téléphone, je crois qu'il est en train de venir en Provence. Il a fait sa promo là à Paris, il rejoint Mouriès aujourd'hui même. D'accord, ok. Mais je le vois deux à trois fois par an, je vais le voir chanter, après on mange ensemble. C'est quelqu'un, Aznavour, c'est quoi? Aznavour, c'est quelqu'un qui... c'est assez impressionnant parce que c'est un mec qui continue à danser sur scène quand il chante, je trouve ça fou. Et après chaque concert, alors la dernière fois c'était à Lille, je vais le voir vite fait dans les loges, je m'impose pas, mais c'est lui qui me dit « tu viens manger avec moi », on se retrouve à 4-5 à bouffer avec lui et ses producteurs, et c'est lui qui me couche. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 3h du matin en train de goûter des vins, je fais « mais il va se coucher ou pas ?» Et c'est lui qui dit « et je tiens plus debout », mais ces histoires sont tellement incroyables.
que c'est une bibliothèque, ce mec-là. Donc voilà. Et puis, il suffit de regarder sa tournée, parce que les gens se limitent à Aznavour en France. Mais regardez, tapez Charles Aznavour sur Internet, vous allez voir, il va être à Pékin, il va jouer. Là, il était au Japon, il était en Ukraine, il fait une tournée à travers la France. C'est incroyable. Ce mec-là. Et il a, je ne sais plus quel âge il a d'ailleurs. 95. C'est l'âge de la foire de Marseille d'ailleurs. Putain, non, mais c'est incroyable. Et sur scène, ça reste Charles Aznavour. Non, c'est génial. Aznavour, c'est. Ah ouais, il est à Mauriès là ? D'accord, ok. T'as la carte ? Oui. Bon, un mot quand même pour terminer sur ta tournée. Là, qu'est-ce que tu as comme ville ? Je sais que ce soir tu vas dans l'Isère, je crois. Villard-de-Lans ce soir. Tu vas nous quitter tout à l'heure. Demain, je suis en Suisse. Je sais même plus. Et là, je finis la tournée du deuxième spectacle. Je joue à Phare les Oliviers. Je sais pas si je savais pas que ça existait. C'est à côté. C'est à côté. Donc voilà, j'ai encore une dizaine de dates avec mon deuxième spectacle et j'attaque l'écriture du troisième. Donc j'espère être prêt pour le Festival d'Avignon. Bien, mais en tous les cas, tu savais pas que Phare les Oliviers existait. Dans tous les cas, nous, on est très très heureux. Mais je suis très fier. Que tu existes, toi. Chaque année, vous m'invitez. Merci du fond du cœur. On t'aime beaucoup et toutes les personnes là vont t'applaudir pour te remercier de ta venue. Merci beaucoup, c'est gentil. À la foire de Marseille, merci d'être venu sur les ondes de RCF. Beaucoup. Bon vent, mon cher Mathieu. C'est gentil, merci. Et à très vite. Très vite. Le club Ararat TV de Richard Fandikian.